Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Je viens de revérifier, chers amis, tout ce qui est le type de vaisseau dans lequel je peux retrouver, disons, des plaques de dissipation thermique. Et donc je me trompe pas, il n'y a pas de problème de ce côté-là, donc c'est bizarre que j'en trouve que si peu. Que j'en trouve aussi peu, on va dire comme ça, simplement. Un Cobra MK3, bah écoute, on va le faire. Normalement, ce sont sur des vaisseaux de transport. Donc c'est d'autant plus surprenant que j'en trouve pas. Powell Bialowski. Bon bah je te le dis. Ok. Ah, je vois des tirs là-bas. Hop, ça va être intéressant. Federal Gunship, peut-être. J'en doute, mais peut-être. Il est en escadrille, cela dit. Comme on dit, il y a un gros risque. Autrement dit, il y a un gros risque, donc je ne pense pas plutôt... Par contre, il y a un piton juste à côté. Alors, est-ce qu'il s'attaquait au piton, justement, peut-être? Ah, c'est possible qu'il soit attaqué au piton. Non, attendez, il est là-bas. Il est juste au loin. Je pense qu'il est au loin. Le voilà. C'est Marc Cole! Tiens donc! Bonjour! Serais-tu en train de miner? Dommage, j'aurais bien aimé savoir avec qui tu étais, justement. Hop. En tout cas, tu as autant de boucliers que moi, ce qui est une bonne chose en soi. Je présume, hein. Ok. Tu me regardes ou t'es... Parfait, merci. Hop. Hop. J'ai réduit sa capacité de tir. Hop, c'est bon. On l'a eu assez vite. Oh, t'es mort. Arrête de tirer, t'es mort. Ça fait une demi-heure que t'es mort. Voilà. Quoi? Je me fais tirer dessus par autre chose? Paul Hart. Federal Gunship. Merde. Tout ce qu'il fallait que j'évite. Alors je parle qu'il en avait. Non, ça va, il en avait pas. Hop, fuite. Wouh. Arrête trop près, merde. Oh, c'est chiant quand ça fait ça. C'est chiant quand ça fait ça parce qu'il devrait m'indiquer en fait le truc d'évitement et il le fait pas. Bon, on va essayer comme ça. Là, il faut qu'on fuit, hein. On va aller ailleurs, chers amis, je pense. J'ai entendu dire qu'on pouvait en avoir dans les récompenses de mission. Je viens de le voir, en fait, j'ai envie de vérifier parce que j'étais pas sûr. Du coup, peut-être que ce serait une bonne idée d'aller voir à Vassiliev Port ou ailleurs. On va aller voir déjà à Vassiliev Port. Mais je pense que je vais reprendre un interdicteur. Parce que là actuellement j'ai, je pense, de mémoire, générateur, verrier, intercepteur. Ah non, j'en ai un. Parfait. Parfait, parfait. Bah écoutez, je vais me soigner. Et je pense qu'on va aller chasser le vaisseau de transport, tout simplement. On va aller chasser le vaisseau de transport dans le coin. Si on pouvait en fait trouver une voie commerciale qui passe par une zone anarchique, ce serait magique. Ce serait véritablement magique. On gagnerait un temps fou. Un temps fou. Alors. Hop, le nom du premier épisode que j'ai oublié de marquer. Voilà, c'est marqué. Je vais boire un coup, moi, chers amis, j'ai soif. C'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7e, 8e vidéo que je fais dans la journée. Je dois vous avouer que le montage va être coton. On verra bien. On verra bien. Hop. Ce qu'il faudrait, c'est réussir à trouver ce genre de planète, enfin ce genre de système. Je sais pas si c'est marqué comment. Faudrait que je vois comment il est notifié, ce... ASP Scout, ASP Scout.
Mais en fait, j'aimerais juste que tu scannes rien du tout. Agriculture, d'accord. Ok, pourquoi pas, hein. Alors, on va profiter pour tout remettre en... Ah bah, justement, Daryl. Daryl, qu'est-ce que je t'ai fait, Daryl? Pourquoi tu me fais ça, Daryl? Qui es-tu, Daryl? Oula! Mais fuite! Fuyons! Et j'ai rien en cargaison. Hop! J'ai rien en cargaison! J'ai absolument rien en cargaison, espèce d'abruti fini! T'es mauvais, tu sers à rien, Daryl! Daryl, tu m'agresses, mais j'ai rien à part des drones! Tu veux des drones à 100 crédits? Putain, le mec il rack avec un Fenerall Gunship, hein! Oh la gueule! Truc de fou, quoi! Le mec Fenerall Gunship. Ah non, non, mais je veux 100 crédits, s'il te plaît! Donne-moi 2000 crédits! What? T'as dit quoi? Même pas, je les ai même pas les 2000. Enfin bon, c'est rigolo. Deux secondes. Juste deux secondes, hein, pas plus. Ok. Voilà, il vient venger son copain, tout simplement. Oh non, t'es sérieux. Je me fais agresser en chemin et tu trouves le moyen d'arriver plus vite. Ah non, je suis désolé, moi je fonce dedans. Hein. Hop, voilà. Ah bah oui, mais une seconde après, c'est bon. Ah bah oui, comme de par hasard. Tiens, non. Ah là là. Je. Tu te moques de moi, je. Hop. Et on va aller chercher une petite voie commerciale anarchique. C'est quoi, ça? Non. Si. Si, allez, on y va. Soyons fous, chers amis. Soyons fous, on y va. Pour le plaisir. Allez, tu peux me laisser passer. Ah. Hop, c'est bon, on y va. Ah, bonjour. Puis-je vous attaquer tous les deux? Eh oui, système anarchique. Jake! 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 Non. Tu me scannes pas. Tu me scanneras pas. Tu vas me dépecer, vivant. Ouais. Tu vas me dépecer, Bleuzaille. Pardon, excuse-moi, tu es un novice. Je suis pas un novice. Moi, le moindre de mes tirs te fait très très mal, tu vois le truc. C'est ça la différence. Moi, je ressens pas les tiens. C'est ça, c'est là qu'il est la différence. Quelle est la différence entre toi et moi, mon cher Jake? C'est que quand tu me frappes, je ne le sens pas. Tout simplement. Ça c'est fait. Et il y a ton copain là-bas, là. Ah, il a eu les shields qui sont remontés au dernier moment, c'est pratique. Ok, vaisseau de transport. Le Hader, est-ce qu'il est considéré comme un vaisseau de transport? Normalement, oui. Et ça touche! Oh là là, la beauté de ce tir! La beauté de ce tir! Ah, non, mais tu t'enfuiras pas, de toute façon. Il avait des céréales. Le pauvre. Il n'y avait rien d'autre que des céréales sur lui. Plaque de dissipation thermique. Oui. Oui, il faut buter les Hader, chers amis. Ah non, c'était pas sur le Hader, je crois. Ça a l'air d'être sur le MK4. Incroyable. Incroyable. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça, je l'avoue. Je l'avoue volontiers. Dès qu'on sera en dessous des 400 ou 300 mètres, je lancerai le... Hop. Hop. En approche. Il nous gratte le ventre. Elle nous gratte le ventre. Ça nous en fait une, mais nous on en chie pour les trouver, hein. Hop, et on recule. Voilà. C'est débile. C'est complètement débile. Ok, on est juste à côté. On range nos bordels. Hop.
Oh bah non, je viens de les ranger. Mais je viens de les ranger. Ah oui, non, c'est parce que j'ai le... Je suis trop con, en fait. Hop. Et bon. Crac. Hop, vas-y, je t'en prie. Oh, y'a pas assez dans le chargeur. Boum. Ok. Bon. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Alors. Il faudrait que je remette des épisodes à uploader, sinon je vais pas y arriver à temps. Ça va être une catastrophe. Alors, Cherryport. Est-ce qu'on peut arriver à Cherryport, s'il vous plaît? Mettez-nous en face, s'il vous plaît. Raté. Hop. Alors. On va essayer de se mettre bien en face. Crac. Crac. Ok. En douceur, on demande l'accès à la station. Oui, bah oui, ça. Ça fait longtemps, hein. Ça fait bien 15 jours que j'ai pas. Dit une semaine que j'ai pas touché au jeu. Minimum. Minimum. 1-8, Roger. 18, je le vois là-bas. Eh ben non, tu me scanneras pas l'intérieur, tu sers à rien. La 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 la. Ah bah non, je suis trop haut apparemment. Hop. Hop, voilà. Entrée dans l'hangar, service de spatioport. Hop. Préparation. Le plein. Ravitaillement. Ok. Ça c'est fait. Donc oui, on était sur le point d'aller chercher normalement, dans la carte de la galaxie, une route commerciale. Je sais pas si c'est faisable comme recherche ça. Commerce, afficher les voies commerciales. Avec beaucoup de trafic, ce serait bien. Il n'y a pas beaucoup de trafic par là. Hein. Il n'y a pas beaucoup de trafic là, pour le coup. Tout affiché? Ben non, tout affiché, j'ai dit. Il n'y a même rien du tout. Pas se voiler la face, il n'y a rien du tout. Pourquoi c'est marqué en indépendant? J'ai pas laissé les indépendants, j'ai pris les anarchies normalement. Ah oui, non, je suis con, je raconte des conneries, excusez-moi, chers amis. Là, il y a un tout petit peu de trafic, mais alors il y a vraiment rien, quoi. Ok, bah oui, ça me semble logique après que ce soit assez rare. Hein. Bon, on est plutôt plus ou moins dans un point intéressant, alors, dans ce cas. On est plus ou moins déjà dans un coin intéressant, pardon. Bah écoutez, on va ressortir, puis on va aller faire un petit peu de farm. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on fait. Ok, on remonte. Et c'est parti. On va bien voir hein, si on en trouve ou pas. J'espère. C'est un peu vite là quand même. Hein. Non? Non, pas assez vite? On fait comme ça? Ok, c'est parti. D'ailleurs, en parlant de... Il y a un howl. Ok, bon, on s'en va. Nous verrons bien. C'est parti.
3, 2, 1, engage. Po! Ouais, quoi? Po! Carrément po! Bon, est-ce qu'il y a des vaisseaux dans le coin? Sinon, on se dirigerait bien vers la balise de navigation. Est-ce qu'il y a une zone neutre autour de la balise? Je m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus du tout, chers amis. Hop! Déjà un vaisseau ici, Viper MK3. Pas d'intérêt. Cobra MK3, pas d'intérêt non plus. Source de signal non identifié, alors ça dépend lesquels. Dispersion de convoi détectée, ça peut être intéressant. Menace 3, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Non. Par contre, c'est ça qu'il faudrait qu'on vise. Avec moins de menaces, forcément. Génial. Où est-elle? Ici. Et je vais l'avoir doublé, tant pis. Voie commerciale, bah on est dessus pourtant alors. Bon. Tu l'as scanné, tir détecté, ça ne m'intéresse pas. Hop, merci. Python. Là ça m'intéresse, mais il est derrière nous. Donc techniquement pas intéressant. Nouvelle source de signal, j'aurais bien aimé la voir. Voilà, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tiens, détecté, menace 4, beaucoup trop. Beaucoup trop de menaces. Force de résistance, oui, si tu le dis. J'en ai assez vaincu dans le... Enfin non, j'en ai assez vu dans le dans Star Wars, merci. Balise de navigation. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Dernière réputation, ils en sont où? Pas trop baissé? Non, ça va. Elles n'ont pas trop baissé. Ok. T6, j'ai rien dit. Si je peux t'intercepter, mon ami, ce serait génial. Ça, il faudrait que j'arrive à passer derrière toi. Donc je t'en prie. Je t'en prie. Hop. Oh merde, j'ai pas mis le truc. Hors de portée. Oui, why not. Ça ne me dérange pas d'accélérer. Hein. Ah merde, il s'enfuit. Ah, quelle horreur. Bon, c'est pas grave. Il devait être chargé de très très loin en fait, sûrement. Sûrement. Les pitons, je sais pas si c'est une bonne idée de les intercepter. De toute façon, il est bien plus rapide que moi. Donc ce n'est pas intéressant en soi. Si des extractions de ressources, j'en viens. Faut se calmer, jeu. Sidewinder, ça ne m'intéresse pas. Ce piton m'intrigue. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de m'avoir? Voilà, je me suis arrêté si tu veux. Robert. Je t'en prie, vas-y. Fais-toi plaisir, mais t'es nul. Et c'est moi qui vais t'intercepter si ça continue, hein. T'es nul, ok, c'est pas grave, laisse béton. Ah, ça y est. Hop. Crac. Hop. Tu vas crever la bouche ouverte. Hop. Il est clair qu'il sait piloter. Cela dit,
me semble avoir de meilleurs boucliers que les siens, en tout cas de meilleures capacités de tir. Donc c'est pas une bonne chose. Ah, je l'ai raté, quel dommage. Quel dommage, quel dommage, quel dommage, quel dommage. Ah, je l'ai encore raté, quel dommage. Ah, je l'ai raté à nouveau. Hop. Ah mais évitez ça. Allez. Oh non, j'en avais balancé une. C'est faux. C'est faux. Ce jeu est faux. Non, c'est faux. Ça fait une demi-heure que j'en ai balancé une, elle a pas parti. Ah non, 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 là, je suis pas d'accord. Ah, puis pour rien trouver dedans, quoi, en plus, c'est terrible. C'est terrible. Non, je pense que je vais faire autre chose, chers amis. On ira faire autre chose, on va retourner voir The Dweller, et puis on verra bien ce qu'il demande. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, du coup, on va cesser sur cette déception, ce combat décevant, pardon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce briser, la commenter, la partager, vous abonner, vos conseils sont toujours les bienvenus. Si vous avez des idées pour le farm, je serai ravi de pouvoir les prendre. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yoop.